très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la DAF de la mode de Shanghai, en compagnie de notre intervenant qu'on ne présente plus. On arrive à le voir ici d'ailleurs. Rebonjour. Bonjour. Ça va très bien toi? Ça fait plaisir de te revoir. C'est partagé. Apparemment, tu aimes bien notre plateau parce que tu nous es revenu. Ben ouais, seulement il y a quelque chose qui manque. Hein. Depuis l'heure, je l'avais dit et je ne l'ai pas encore vu. C'est quoi? Tiens, couscous. Ah, couscous africain. C'est très important. D'accord. Okay. Prochaine fois. On va transmettre le message. Certainement, tu auras du tiré au plateau. C'est promis. Je pense que pour ça, il va falloir que tu l'amènes. Hein. Ben pourquoi pas au plateau. Tu l'amèneras aussi. Non. Ah, mais c'est trop cool. C'est toi qui vas la préparer. Ah, non. J'aime bien le tiré, par contre, j'aime bien le couscous. Hein. Et pourquoi tu... Ah, bah, j'adore. Il faut préparer pour moi alors. Donc, il faudra en parler à Pape et à l'administration. Yas, plutôt. Oui, pour moi. Non, si je parle à Yas ou Pape, je sais très bien que je ne vais pas manger. Moi, je ne suis qu'une. Voilà. Et tu ne peux pas préparer ça? Préparer, si, mais prendre le temps de préparer ça pour le plateau. T'as compris, non? D'accord, je ne vais pas en discuter. Merci beaucoup encore de te revoir sur le plateau. Merci aux téléspectateurs de Fashion Africa TV. C'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Et aujourd'hui encore, on va... Bon, là, on va à l'événement exclusif Prime Video qui s'est tenu le dimanche 14 août dernier au Nigeria. Et comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks. Ah, super. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Yes, I am. Ah, et sur ce, chers amis téléspectateurs, Prime Video, l'une des plus grandes plateformes de streaming vidéo à la demande, a accueilli les plus grandes stars nigériennes aux consommateurs dans une expérience de marque immersive où ils se sont présentés à la plateforme au titre à l'expérience Prime Video entièrement chargée dans le Nigeria et rassemble tout le monde. Ah, donc on y va? C'est super. Let's go. À tout. Premier look du jour, Stéphanie Coque dans Kadijou et Bogota qui a porté une robe assez simple, classique, avec des franges. Et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu attirée dans ce look-là, dans ce qu'elle a porté. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, ce sont des lanières qui descendent, mais on a l'impression que c'est une échelle, ce sont des escaliers. Donc je pense que c'est la partie de la création qui est quand même magnifique, sinon ça aurait été une robe rabda. Une robe comme on a l'habitude de le voir, tout simple, robe longue taille crayon, quand même elle arbore super bien. Ouais, la sublimation, on va dire quoi, en fait, la sublimation parce qu'elle est magnifique, surtout avec la petite sacoche en bleu et les boucles d'oreilles un peu argentées, si je me trompe. Pour moi, j'apprécie avec la moto à côté, c'est trop original. Quoi. J'adore, surtout, j'apprécie. Surtout. Non, elle a bien pensé à son fond, hein, on va dire. Exactement. Ouais, vraiment le fond d'image, je pense, habille un peu plus, surtout la moto qui est à côté, comme tu l'as dit. Mais bon, vu qu'on va s'en tenir au look, je pense qu'elle aborde super bien. Elle a compris parce qu'elle est, elle donne même cette impression. Elle a fille à allure, donc ce qui fait une grande partie de ce qu'on porte. On peut porter n'importe quoi, mais l'allure aussi compte beaucoup. Hein. Elle a imposé les choses avec la coiffure. Un truc assez simple, mais l'allure, ça participe, ça donne quand même un petit plus à ce qu'on a porté. Exactement. Voilà, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce look-là, et que dire de les cheveux nappis, c'est naturel. Sa coiffure est exceptionnelle, en fait, parce que ça a dégagé tout, un peu à la garçon, j'adore. T'aimes bien alors le look? Ouais, j'adore. Mais t'es pas tombé amoureux, hein, cette fois-ci? Non. Pas encore? Pas du tout, pas encore. C'est ça. Mais amoureux virtuel. Surtout. Ah, c'est pas original, quoi, en fait. Ok, c'est du psychisme. J'apprécie seulement. Ok, d'accord. Mais amoureux réel. D'accord. Bon, quelqu'un l'occupe. Ok. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Bon, je vais lui donner une note de 7. 7. Cool. Je vais m'en tenir à un 6. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Beverly Naya en Wisdom Franklin dans un look quand même assez vintage. Le vintage est très tendance maintenant. Hein. Oui, actuellement surtout. En même temps, c'est normal, tout le monde le sait, la mode c'est une boule.
elle ne fait que tourner. Ça tourne. Ça tourne, les choses reviennent. Donc si tu as des choses que tu as portées et que tu penses que c'est démodé, il ne faut pas les jeter, tu les gardes. On porte encore, on ne sait jamais. Ça va revenir. Ouais. Non, ça, c'est, à coup sûr, ça va revenir. Ça va revenir. Donc c'est là, vrai. C'est quelque chose qu'on remarque aussi dans ce look-là. Beverly avoir super bien cette robe qui vraiment reflète la mode rétro, vintage, classique. Et elle avoir super bien avec ce corsage vraiment qui met en valeur sa poitrine. Surtout. Avec ses manches dégagées en mode gant. Cette robe vraiment magnifique, elle est vraiment très très belle, chic, classe, élégante. Sexy. Oh là là, sexy. Il moi j'adore, avec sexy. Elle met en valeur la robe, mais elle se met en valeur elle-même. Parce que tu vois, elle a une forte poitrine aussi. Et si on remarque bien la photo, ça a fixé sur ce point. Et ça met en valeur ses choses. Le côté féminine, quoi, bien sûr, elle est fière de ça. Bon, j'apprécie la robe aussi, la création est magnifique, la création est sublime, surtout les détails. Bon, moi je suis à 100% de là on est d'accord, donc là sur ce coup on est vraiment d'accord qu'elle arbore super bien. Exactement. Elle est belle vraiment, elle met la valeur en, elle met la robe en valeur vraiment, et voilà, le look il est là, il est magnifique. Il est dedans, je veux dire. elle est bien dedans, en espérant un jour peut-être on va voir une artiste ou quelque chose sénégalaise qui va porter ces choses. Arborer ce genre de look. Pourquoi pas, bien sûr. Bon, c'est faisable, c'est la mode. Mais les gens en plus, c'est tendance. Oui, c'est faisable, bien sûr. En plus, ce look-là est très, très tendance, hein, tu sais. Ouais, ce style de corsage, surtout qui met en valeur, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Attends, je vais essayer de t'imiter. Elle va super bien sa poitrine. Tu désires. Laisse ça. Ah, je t'embête, tu sais. C'est pour te secouer un peu. Alors sinon, tu lui donnes une note de combien? Bon, je vais lui donner un 8. Tu sais quoi? Je te rejoins. Ah, super. Un 8 aussi. Ah. C'est cool, non? Mais d'accord. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Adouni Adé en lard da Silva dans une robe en basin. En basin bleu. C'est une chose que tu remarques à première vue, en fait. C'est rare. Là, tu reconnais directement l'Afrique. Carrément, en fait. Ouais. Là, tu reconnais nos couturiers, nos créateurs, directement à première vue, tu sais de qui vient ce look-là ou bien cette tenue, cette robe. Elle est magnifique. À sa place, c'est la bonne personne qui l'arbore. Et la fente aussi. T'as pu regarder ça ou pas? Ah, bah ouais. Ah là là, Charlotte, attends, je pense que là, ils vont certainement s'habituer. Moi, pas encore, ça commence, mais bon, la fente. Non, il faut, parce que à première vue, tu dis waouh. Waouh. Non, mais waouh pour tout, en fait. Bah, déjà, sur un tapis rouge, arborer ce genre de robe qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Certainement, pendant nos fêtes religieuses, comme on dit, soit Tabaski, Corité, voilà. C'est à ce genre d'occasion que les femmes africaines ont l'habitude d'arborer ce genre de look. Ce qui veut dire que maintenant, on modernise tout, en fait. Ben ouais, tout. Mais c'est le monde. Tout. Le monde change, quoi, en fait. Sur et le bazar, ça répond carrément aux choses. Elle est magnifique aussi, la femme. Non, mais elle est vraiment magnifique. Et sa coiffure aussi a dégagé beaucoup de choses. Tu es d'accord avec moi que les femmes africaines sont vraiment belles? Exceptionnellement. Oh belles. Là là, n'est-ce pas? Exceptionnellement. Elle est vraiment belle. En plus, le ton de la robe, ce bleu qui va super bien avec la couleur de sa peau. Et puis, elle a compris le tout. Elle a fait juste un chignon. Elle dégage exactement. Tout. Le maquillage, vraiment, la mise en beauté, nickel. Les chaussures, les nickel. Qu'elle a liées à sa pochette. Le tout est tillé. C'est super bien dosé. Elle est exceptionnelle. Hein? Ah, d'accord. La dame. Ouais. La dame est exceptionnelle, mais n'empêche aussi ce qu'elle a porté, la robe. Ah ouais. C'est autre chose en fait. Oui, carrément. Il faut qu'on puisse savoir c'est qui. Laure da Silva, Ajayi. Mais le créateur, quoi. Oui, c'est ce que je dis. Le style. Laure da Silva. Ah, c'est voilà, très connu quand même. Hein. Okay, oui, bien sûr, très très connu quand même. C'est pourquoi il ou elle bon a frappé boulot, fort. Ils font du bon boulot, vraiment. Hein. Okay, c'est leur marque, en fait. Au Sénégalais, les Sénégalais, essayez de faire quelque chose, hein, comme si, pourquoi pas, on organise un grand événement où il y aura tapis rouge, après on va décortiquer les choses. Ça commence, ça vient, il y a beaucoup d'événements maintenant à tapis rouge, maintenant je pense que même, c'est quelque chose qu'on ne fait plus que dans les défilés de mode, on les retrouve maintenant dans les concerts, toutes festivités maintenant qui se passent au Sénégal, à Dakar, comme partout en Afrique et partout dans le monde, il y a des tapis rouges maintenant. Il faut qu'on provoque. D'accord. Envers les styles vestimentaires, il faut qu'on puisse provoquer. D'accord. Parce que c'est très important. D'accord.
On ne doit pas rester ici seulement à porter des grands bobos par-ci, par-là. Mm-hmm. On dit comme on le dit en Wolofiou. Non, mm-hmm. il faut qu'on provoque. D'accord. Ouais, ah. La mode a évolué quand même. D'accord, ok. Ouais, évoluons super. Avec alors. Certes. Et sur cette lancée, tu lui donnes une note de combien? Je vais lui donner. Est-ce que je ne vais pas lui donner 8,5? C'est comme tu veux. Hein? Ouais, je vais lui donner ça. 8,5. Ouais. Moi, je lui donne un 9 pour ce coup-ci. Et nous passons bravo! Au prochain coup-ci. Quatrième look du jour, Funky Akindel ou Akindele ou Kendeke, Funky Akindele. Bon, ils vont comprendre de toute façon, ouais, hein, c'est, voilà, les exactement. Prononciations sont un peu difficiles exactement. Des fois, surtout quand ce n'est pas familier, donc exactement. Vous m'excuserez, Funky Akindele. Et je pense que tu disais aux caméras la reconnaître. Oui, oui. C'est une actrice, sure, c'est ouais. ça? Hollywood. Ah, d'accord. Jennifer. Elle est exceptionnelle. C'est en tant qu'actrice. Elle joue bien. Uh-huh. Elle joue bien. Et là, je risque de t'offrasser peut-être exceptionnelle, peut-être en tant qu'actrice, mais là, sur le tapis rouge, non. Non, j'aime pas. Ce look-là, très sincèrement, ne me dit absolument rien. Oui, ça va pas. Là, j'ai l'impression d'être devant une mamie qui se remarie pour la quatrième fois ou cinquième une fois. Une mamie ne va pas porter juste ça. De mettre une robe avec voilà. Ou peut-être sur une autre morphologie, en fait, sur une autre personne, peut-être la robe serait mieux, ouais. voilà, valoriser. Serait mieux vue ou valorisée, si tu veux, mais là, sur elle, la robe, elle me dit absolument rien. En fait, non. Même moi, ça ne me donne rien. Mais rien pour les mamies aussi, c'est ça. Hein, parce que si une mamie avait porté ça, peut-être ça va donner. Écoute, mais sur elle, ça ne va pas. Non, une mamie qui se remarie pour la quatrième fois. Les mamies actuellement sont tendances. Vous pouvez inviter à dans l'intimité et tout ça. Elles peuvent mettre ça. Ah, si robe, les là. Mamies portent les choses là. Et faire des nappies comme ça, tu vas même pas comprendre. Ouais, voilà. Ça. Elles vont être sexy. Quoi, voilà. Mais ça là, j'aime pas, j'adore non, pas. Du tout. Vraiment là, je pense qu'elle a fait fausse route. Là, je pense que c'est une fashion faux pas qu'il faut vraiment signaler. Ça lui va pas du tout. Et même sa coiffure, vraiment, le ça tout fait mamie en fait. Sourire aussi, ça va pas, rien ne va avec. C'est ton actrice, mais sur le tapis rouge, là, non, sur le coup, là, ça va pas, ça ne dit rien du tout, ça marche pas. Sur Hollywood, elle fait rire, des trucs comme ça, elle joue bien, j'adore, j'apprécie, mais ici, là aussi, elle a essayé de faire rire, ça va pas. Non, peut-être. Peut-être qu'elle essaie de faire la rire, en comédie, tout cas, ça fait pas sur rire, le tapis hein, rouge, ça, ça va pas, ça marche pas. Ça marche pas, yep. Et tu lui donnes une note de combien? 4. Moi, j'ai pas envie de la noter du tout, j'ai pas de note pour elle. Donc je vais le dire carrément. Yes. Pour que ça puisse apporter quelque chose à la maison, c'est très important aussi. Ok, donc 4 pour lui. Et rien pour moi. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour, Enado Odigi. J'espère que je le prononce bien. Oui, je l'espère. En tout cas, là, elle nous vient avec une robe bleue. J'adore ce ton-là. Ouais. J'adore la couleur de la robe. Ouais. La robe, pour moi, elle n'a rien d'exceptionnel. C'est du déjà vu. C'est ce style de découpe est déjà vu. La robe, elle est sexy, elle est belle, elle est élégante. En tout cas, heureusement qu'elle arbore super bien. Elle, heureusement que la personne qui porte la robe vraiment met en valeur la robe. Exactement. Et la robe aussi la met en valeur. Et surtout. Elle est vraiment belle, sexy, élégante et sûre d'elle par sa posture. Parce que la femme est une femme forte aussi, tu vois. La robe essaie de le mettre en valeur surtout. Elle aussi, elle n'a pas pu... Elle a misé sur les choses, quoi, en fait, pour se mettre en valeur et mettre en valeur la robe, tu vois, carrément. Avec les accessoires, les petits accessoires à côté. Et ça a donné la robe quelque chose de magnifique. Seulement, envers la coiffure aussi, je préférais peut-être qu'elle dégage carrément. Elle dégage carrément les cheveux, carrément. Ça l'aurait fait, en fait. Pour robe de soirée, surtout quand il y a beaucoup trop de détails, mieux vaut carrément tout plaquer tout derrière. Exactement. Et voilà, ça si elle faisait ça, ça va donner un autre goût. Voilà, ça aurait été nettement mieux. Ouais. Oui. Sauf que là, heureusement pour nous qu'elle n'a laissé qu'une seule petite partie là et peut-être derrière. Heureusement qu'elle a sauvé la mise. Sinon, dans l'ensemble, la robe, le look, il est vraiment abordable, on va dire. On va dire abordable. Abordable. Ouais. Et quand c'est abordable, c'est une note de combien? Bon, 6. 6 pour toi? Pour moi, 6. Cool. Bon, je vais rajouter un 50, un 6,50 pour moi. 6,50? Oui. Ah, super, alors. Vu que je dois justifier mes notes, ça te va? Un 6,50, c'est cool. D'accord, ça me va. Yes. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement, sans transition, au top et flop. Exactement. Yes, alors, pour toi, tes top flop? Moi, mon top, c'est...
numéro 3. Numéro 3, Adou Adé. Exactement. La robe bleue en basin. Donc, c'est ton top du jour. Ouais. Et ton flop? Bon, c'est ma actrice préférée, on va dire. Mais c'est le quatrième look. Le quatrième look, ouais. Funky Akindele. Akindele, Akindele, en tout cas. Le quatrième look. Alias Jennifer. Voilà, ouais. Alias Jennifer. Ok, exactement. D'accord. Donc, c'est ton flop du c'est jour. Flop, ouais. Donc, là, pour moi, vraiment, il n'y a que des tops aujourd'hui. Que des tops, que des tops. Mais j'ai un top de chez Top qui est bien sûr le troisième look. Exactement. Voilà, donc Adoni Adé. Donc, c'est mon top du jour. Et mon flop, bien sûr, je te rejoins, le quatrième look. Funky Akindele. Ouais. Alias Jennifer, comme tu dis, donc c'est mon flop du jour. Et là, le look, c'est fini. Là, l'émission, c'est fini. Elle est terminée, c'est tu sais. C'est terminé, ouais. Tu peux partir. Je peux partir. Oui, tu peux. Ah. Je peux amener ça avec moi, ou plus. Non, non, et la table même, et même le pot, si tu veux. Hein. Ah, c'est sûr. Tu peux y aller. C'est sûr, certain. Oui. Au revoir, ciao, ciao, bonne nuit, bisous. Ah, mais tu vas quand même leur dire bye-bye. Hein. Ah, tu m'as dit de partir, non? Bon, on fait ce qu'on veut ici, tu ah. vois. Tu vois, il y a des gens qui ont leur, voilà, les jambes là-bas, ouais, les pieds là-bas, la tête ailleurs. Voilà, donc nous aussi, on fait ce qu'on veut, non? Ouais, surtout l'autre gars-là se précipite pour partir. Bon, on va maintenir. On tu va veux pas la cadence, voilà. On reste comme ça. Il va pas on raconte des blagues ouais, pour l'embêter bouger. Un peu. Surtout, c'est on très part important. Pas. Ouais. Vas-y, file-nous quelque chose. Il est là en train de faire des snaps, des trucs comme ça, des trucs bizarres là. Mm-hmm. Là, il n'est pas normal. On l'embête. Et actuellement, un peu. Il a. Certainement, une nouvelle il copine. Dit, mais arrêtez, les gars, c'est fini, l'émission est finie, coupez. Il a une nouvelle copine, tu sais pas ça. Il a une nouvelle copine, d'accord. Ouais, ouais, okay. Ouais. On l'embête bien là. Ouais. C'est cool ça. C'est bon comme ça, non uh-huh. Il s'appelle comment même? Ah, je sais pas. Ah, tu n'oses pas parler son nom? Non, je ne sais pas, je ne connais pas sa copine. Non, lui en personne. Ah, Yas. Ah, c'est Yas. Ah, Yas. D'accord. Yas, Yas, okay. Yas, Yas. Ouais, c'est lui, hein. Ah. Ah, ok, je vois le truc. Tu mets un trou et tu m'enfonces dedans. Quoi. Tu me laisses, voilà, de l'autre côté. C'est ce que tu fais. Si c'est pour ça, je vais quand même arrêter l'émission. Parce ah, on va partir, si c'est ça. Parce que, ah, mais très sincèrement. Non, c'est tu creuses lui. Un trou, tu m'enfonces dedans. Non, c'est lui. Je t'ai dit, c'est lui, non? D'accord. C'est lui, c'est Yas. D'accord. C'est l'international bandit. Donc, voilà. C'était un plaisir quand même. Oui, hein, c'était un plaisir. Vraiment, merci vraiment, beaucoup. Ouais, merci à tout le monde. Mm-hmm. Est-ce que je dois encore faire un bisou hein? Ah, non, non. Elle a compris. D'accord, elle a compris. Bisous à tout le monde. C'était un plaisir. Gros bisous. Ah, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.